La ménopause, on en entend parler dans les rues. Mais à quoi renvoie réellement ce terme? La ménopause, c'est la période de la vie chez une femme au cours de laquelle elle arrête de voir ses règles. De la même manière, on a chez la jeune fille les ménarches qui sont le début des règles, donc de l'activité génitale. La ménopause, c'est la fin de l'activité génitale reproductrice chez la femme. En général, elle se manifeste chez la dame d'âge mûr, autour de 50 ans, plus ou moins 5 ans. S'il est vrai selon les spécialistes que l'âge de la ménopause peut varier d'une femme à une autre, il n'en demeure pas moins que certaines habitudes alimentaires peuvent précipiter sa venue. Comme je disais, la ménopause arrive à 50 ans, plus ou moins 5 ans. Maintenant, tout dépend de, on va dire, la longueur du cycle chez la dame. C'est-à-dire que si une dame a eu ses menstrues très tôt, elle va avoir tendance à avoir sa ménopause un peu plus tôt. Certains types d'aliments peuvent conduire à une ménopause précoce. Après, il y a d'autres habitudes comme la consommation d'alcool, la consommation de tabac. Ce passage de la vie obligatoire est différent d'une femme à une autre, par moments avec des effets secondaires. Les pertes de la libido, vous avez une irritabilité, donc toutes les sautes d'humeur qu'on peut constater avec tout ce qui va avec le climat hormonal en réalité. On va avoir sécheresse des muqueuses, donc muqueuse buccale, sécheresse de la muqueuse vaginale. On va avoir la fragilisation des os. On va avoir l'augmentation du risque cardiovasculaire. En somme, la ménopause est une caractéristique naturelle chez la femme et non une maladie. Toutefois, les spécialistes peuvent prescrire des traitements pour soulager ses effets. On ne peut donc pas la traiter.